Camille Aswali. Je représente ma personne. Rilas Wali. Donc ma question, c'est assez simple. Mkini, j'ai grandi des games. Donc ça fait 25 ans que je suis là, je suis arrivé à 8 ans. Je vois dans la salle qu'il y a une majorité de... je pense que c'est des personnes qui sont là peut-être moins de 10 ans, etc. J'ai fait ma scolarité tout ici. Fait que je suis québécois, je suis canadien, je me définis comme canadien. Et après ça, québécois, après ça, kabyle. Ma question, puis je vais reprendre aussi la question de madame, c'est quoi les outils pour aller chercher des personnes comme moi, des personnes qui ont grandi ici et qui ont une partie de leur culture québécoise, canadienne, comment les attirer dans le congrès kabyle, comment les impliquer dans le comité, dans votre comité, pour qu'ils soient présents, pour qu'ils passent action et qu'ils ont une certaine affinité avec la culture québécoise, avec la culture canadienne. Puis, Mkini Hamla, Atas, Atas, Takvili. Hamla, t'es à chaque fois que je quitte mon village, Al-Hamsir, je pleure de les voir. Et je me mets des objectifs. Je fais du travail moi-même, j'essaie de faire des dons, etc. Je suis un homme d'affaires. Il y avait un autre homme d'affaires qui était là pour les cotisations et ça va être ma deuxième question. Okay? Donc on parlait des outils. Ma première question, ma deuxième question, c'était au côté financement. Oui, on parle des Juifs, on parle des Italiens. J'ai grandi dans la petite Italie à Montréal. J'ai côtoyé les Italiens, j'ai des amis italiens. Ils m'ont aidé énormément dans ma carrière, en fait, dans mon business, si vous voulez. Ils sont unis et c'est une force. C'est une force. Ils ne sont pas divisés entre les FFS ou le RCD ou peu importe. Je vois tout le monde en train de parler de partis politiques, etc. On oublie les partis politiques. Il n'y a pas de partis politiques. Takveilet. Donc personnellement, je veux faire un don au CCKC. Donc je veux faire un don. Je veux qu'on organise une façon d'impliquer tous les entrepreneurs qui se disent kabyles, qui ont la fièvre kabyle, de participer monétairement, ok, que ça soit comme les Juifs à 10% de leurs profits. 10% des profits, mesdames et messieurs, pour les Juifs. OK? 10%. Des profits, pas du chiffre d'affaires total. OK? On s'entend du profit. 10%. Je sais pas, sans faire de publicité, je suis un élève à INAIS. OK? Donc, chaque samedi, je prends des cours, j'apprends à écrire, etc. Je cotise avec plaisir. Ce que je peux donner de moi-même, je le donne. OK? Donc, il faut aller chercher ces jeunes. OK? Vous pouvez faire un 360 dans la salle. Il n'y en a pas beaucoup de ces jeunes-là. OK? Misez sur la jeunesse, parce que c'est notre force. T'aimez tout le monde. Rilas a posé une problématique très sérieuse. Les jeunes. Il s'est un jeune de Ottawa, il s'est dit Hussein Varado, voilà, il est en Ottawa. Il s'est cassé, mais il n'y a rien. J'aurais aimé lui dire oui. Mais il s'est dit que c'est un peu de temps. C'est la même chose. Si le CKC arrive à créer une dynamique parmi les jeunes, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient avocats, qu'ils soient autres, dans d'autres professions, c'est ça que nous voulons. Et M. il nous connaît tellement, il va faire ce qu'il m'a dit, c'est le Congrès qui va le faire. Et je suis ému par l'intervention de Rilas, parce que c'est une réalité d'aujourd'hui pour lui, mais ce sera la réalité de la majorité de nos enfants demain. Il y a 25, 30, 40 ans, ils ont les valeurs de ce pays, mais il y a des gens qui ont fait.
Donc c'est une responsabilité individuelle, mais aussi c'est une responsabilité collective. S'il n'y a pas de réseau collectif, individuellement, ça ne peut agir que sur l'individu lui-même. Il ne peut pas créer une solidarité avec le... ça peut créer une solidarité familiale, tout ce que vous voulez, mais au-delà, c'est l'ensemble qui va la créer. Et merci à Hélès d'avoir partagé, merci d'avoir partagé ton expérience. C'est très intéressant.